Salut à tous, ici Nozman. Je peux pas parler très fort parce que c'est la nuit, les gens dorment. Je sais pas si vous vous rappelez de cette petite caméra télescope. Je vous avais dit qu'on pouvait potentiellement filmer Saturne avec. C'est celle avec laquelle j'ai filmé la Lune. On avait des images de fou tellement elle peut zoomer extrêmement loin. Ce soir, il y a un ciel dégagé. Je suis en Bretagne. Je vais essayer de filmer Saturne. Je promets rien, mais on va essayer de la trouver. Je sais qu'elle est dans cette direction. À vrai dire, je sais que c'est ce point qui est juste là-bas, le point lumineux. Je sais que c'est Saturne. Juste là derrière, il y a Jupiter. On va essayer de voir cette fameuse planète avec des anneaux qu'on a toujours vu dans des bouquins, dans des images, etc. Est-ce qu'avec ce zoom, avec cet appareil, on va réussir à la voir? Ce serait fou. Je vous emmène avec moi pour cette petite vidéo bonus. C'est parti. Donc là, je tente de me rapprocher petit à petit. C'est pas évident de faire le focus sur un si petit point, mais... j'ai vraiment envie que ça marche. Vous avez pas idée à quel point. Ok, je vais lancer l'enregistrement. J'essaye de faire le focus. Oh putain! Regardez-moi ça, putain, on voit les anneaux, mais ça n'a aucun sens. Ça marche. Putain, c'est magnifique. C'est incroyable. On voit les anneaux, on voit la planète au milieu. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou. Avec cette petite caméra, on peut voir Saturne. Évidemment, elle disparaît très très vite du champ. On peut voir qu'elle se déplace très très vite vers le bord droit, supérieur droit de la caméra. Il y a tout qui bouge. Hein. Putain, c'est dingue, mais c'est... je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou ce que je suis en train de filmer là. Je filme une planète de notre système solaire, Saturne. C'est complètement incroyable. On est quand même sur la deuxième planète la plus massive du système solaire, avec un diamètre qui est quand même environ 10 fois plus important que celui de la Terre. Le diamètre de Saturne, c'est environ 116 000 km de diamètre, donc bon, c'est pas mal. C'est ouf. Nous, on n'a aucune possibilité de voir quoi que ce soit, on voit un point, c'est tout. Comme une autre étoile, comme tous ces soleils qui sont là, à droite à gauche. Avec la caméra, on peut voir un truc dont on nous a toujours parlé. Juste là, j'ai trop hâte que vous voyez ces images, c'est complètement dingue. C'est super dur de stabiliser tout ça, parce que bah évidemment c'est un tout petit point sur lequel je zoome, mais vous avez même pas idée. Je vais essayer de stabiliser ça au maximum. Attends, voilà, c'est pas mal. C'est parfait. Naturellement à l'œil nu cette planète, hein. Là quand on regarde dans le ciel, je la vois, c'est très faible mais on la voit. Quand elle est au plus loin, elle est à environ 1,6 milliard de kilomètres de la Terre. Quand elle est au plus proche, elle est à environ 1,2 milliard de kilomètres. Donc encore une fois, c'est pas la porte à côté, hein. Vraiment c'est plutôt super loin. Mais elle est surtout impressionnante cette planète grâce à ses anneaux, hein. C'est vraiment fou qu'on puisse les voir là justement, on les voit vraiment bien, c'est hyper stylé. D'ailleurs, ces anneaux sont faits en fait d'amas, de poussière et de glace. En fait, il y en a plein, vraiment énormément. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, il y en a qui sont vraiment très très gros, d'autres des micro-particules. Mais voilà, c'est globalement de la poussière et de la glace. Bon, c'est une planète gazeuse, hein, qu'on voit. C'est ce qu'on voit en fait, c'est majoritairement du gaz. Il y a différentes couches, avec un cœur solide quand même au milieu. Mais voilà, hein, Saturne, c'est comme Jupiter par exemple, une planète gazeuse, une géante gazeuse. Là, ce qu'on voit ici, c'est Jupiter. Ça, c'est une étoile qui est ici, c'est une étoile qui s'appelle Arcturus. Un très grand soleil qui est beaucoup plus gros que notre soleil, Jupiter. Et justement, la fameuse Saturne qui est là-bas. Là, on voit rien du tout, mais Saturne est juste là-bas.
C'est là où j'ai braqué ma caméra télescope. Je suis trop content de pouvoir vous montrer un truc comme ça sur la chaîne, c'est inespéré. C'est fou. Ça fait super plaisir. J'espère pouvoir filmer, essayer de filmer Mars, d'autres planètes, voir ce que ça peut donner. C'est fou, rendez-vous compte, on arrive à voir Saturne, les anneaux, etc. C'est complètement magique. C'est une petite vidéo bonus, j'espère que ça vous plaît. Moi, c'est super émouvant, c'est la deuxième fois de ma vie que je la vois à l'œil nu, entre guillemets. C'est toujours aussi magique, j'espère que vous aurez l'occasion de le faire vous aussi un jour. C'est pour ça que je suis content de pouvoir vous montrer ça un petit peu à travers cette vidéo YouTube. Si vous avez apprécié, vous pouvez évidemment la partager, la liker, vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Merci à tous, on se donne rendez-vous très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao.